Trouve une position confortable, soit assise, soit couchée. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte pour 3 fois. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol et se fondre avec le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe. Sans vouloir changer quoi que ce soit, observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe là aussi, sans vouloir changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens consciente des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et rends ta respiration plus longue. Rends inspiration et expiration plus longues en ralentissant
inspiration et expiration. Langue, lente, mais en même temps confortable. Rends inspiration et expiration longue et lente, mais aussi constante du début jusqu'à la fin. Observe ta cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Mouvement longue, lente et constante du début jusqu'à la fin. Calme. À la fin de la prochaine expiration, prolonge aussi les phases de suspension. Juste quelques instants. Respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Pause prolongée. Mais même pendant les pauses prolongées, garde la gorge libre et décontractée. Utilise les muscles de la cage thoracique pour créer des suspensions plus longues. À la fin de la prochaine expiration, règle inspiration et expiration pour avoir la même longueur. Respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. De la même longueur, inspiration et expiration. Garde les pauses légèrement prolongées. Encore trois respirations. Longue, lente, contrôlée mais confortable, constante du début jusqu'à la fin, de la même longueur, inspiration et expiration. À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre et décontractée. Observe la sensation de calme et de bien-être
qui s'est installé dans ton corps. Tu te sens bien, tu te sens calme, tu te sens en sécurité. Tu es arrivé dans ton endroit de paix. Et là, commence à regarder autour de toi. Est-ce que ton endroit de paix est un endroit réel ou onirique? Observe les couleurs de ton endroit de paix. Observe les bruits de ton endroit de paix. Observe chaque élément, même les plus petits. Observe tout ce que tu as autour. Tu te sens bien, tu te sens protégé dans ton endroit de paix, tu te sens complètement en sécurité, c'est ton endroit à toi, rien ne peut t'arriver. Juste en face de toi, pas trop loin. Tu vois une forêt. Tu te sens appelé vers la forêt. Mais c'est une forêt que tu ne connais pas encore. Il n'y a pas de chemin qui mène à la forêt. Mais ça, ce n'est pas un problème pour toi. Ce n'est pas du tout un problème de traverser les champs que te séparent de cette forêt. Même s'il y a des petits obstacles entre toi et la forêt, tu arrives à les dépasser très facilement. Et tu t'approches de plus en plus. Tu es arrivé juste à côté de la forêt. C'est une forêt assez ouverte. Tu arrives tranquillement à te balader à l'intérieur. Même s'il n'y a pas de chemin, tu arrives tranquillement à avancer. Regarde qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Regarde la couleur de la forêt. Les feuilles vertes,
plan de vie. Les parfums de la forêt rafraîchissante. Mais plus tu avances, plus la forêt s'ouvre, mais elle devient de moins en moins verte. Les arbres sont de moins en moins nombreux. Ils sont aussi de moins en moins verts. Tu continues à marcher. Tu te sens appelé à continuer. Même si chaque pas que tu fais c'est comme si tu t'éloignais de la vie. Mais malgré tout, tu te sens en sécurité, tu te sens fort, tu ne te sens pas du tout en danger. La couleur des arbres passe du vert au jaune, au rouge, au brun. Il y a de moins en moins de feuilles sur les arbres. Tu as passé de l'été à l'automne, en juste quelques pas. Tu continues à marcher dans cette forêt. Moins riche de vie par rapport à l'été. Mais tout autant fascinant et plein d'énergie. Pas loin de toi, juste à quelques mètres devant toi, les arbres s'ouvrent pour te montrer un cercle de pierre. Même si la terre tout autour est recouverte de feuilles, à l'intérieur du cercle, il n'y a que de la terre. Tu rentres à l'intérieur de cet cercle. Et tu te rends compte que c'est là que tu devais aller. Tu t'assois au milieu du cercle et tu fermes les yeux.
là dans le silence, tu arrives à aller de plus en plus en profondeur en toi-même. Dans cet cercle, tu te sens de plus en plus connecté avec la partie plus profonde et même plus obscure de toi-même. Dans cet cercle, tu te sens assez forte et assez puissante pour découvrir tes peurs, les vraies peurs au fond de toi. Même si la vision de tes peurs devient de plus en plus claire, tu te sens bien. Tu arrives à observer les peurs comme si c'était les peurs de quelqu'un d'autre, comme si c'était un témoin. Tu observes. Et tu vois clairement tout, sans émotion, comme si tu regardais tout ça dans un écran. Vas-y, de plus en plus en profondeur. De quoi tu as peur? Maintenant que tu as la première réponse, de quoi tu as vraiment peur? Et encore, de quoi tu as vraiment peur? Malgré ce chemin à l'intérieur de toi-même, tu te sens bien, tu te sens calme, tu te sens protégé et soutenu. Encore une fois, de quoi tu as vraiment peur? Là. Tu ouvres petit à petit les yeux et tu vois qu'en face de toi maintenant, à l'intérieur du cercle, il y a un papier, un crayon et un feu juste en face de toi. Écris la peur la plus profonde dans le papier.
Et quand tu as terminé, plie le papier et donne-le au feu. Tu es plus fort de ta peur. Connais ta peur pour ne pas être influencé par la peur. Dès que les flammes enveloppent le papier, tu te sens de plus en plus légère, forte, déterminée et libre. Observe encore pour quelques instants la danse du feu. Observe les flammes danser et amener loin tes peurs. Tu fermes encore pour quelques instants les yeux. La chaleur du feu te réchauffe gentiment. Tu te sens bien. Tu te sens libéré. Dès que tu ouvres de nouveau les yeux, l'endroit autour de toi a changé complètement. Tu es toujours à l'intérieur du cercle, mais autour de toi, la nature a pris de nouveau vie. Les arbres sont verts, pleins de feuilles, pleins de vie. Tu te sens libéré. Et là, tu sens tes énergies augmenter de plus en plus. Tu te sens rechargé. Déterminé, calme, puissante, tu te sens magnifiquement. Reste encore au milieu du cercle pour quelques instants. Enregistre les sensations, les informations que tu as vécues et reçues aujourd'hui. Quand tu te sens prête, à ton propre rythme, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte pour 3 fois. Avec chaque inspiration, ramène petit à petit la conscience dans ton corps. Et quand tu te sens prête, ouvre très doucement les yeux et reviens dans le ici
Et maintenant,